Bienvenue dans l'émission spéciale de l'école. La deuxième émission café. Lundi 3 septembre 2018. Bonsoir tout le monde. Année l'école 2018-2019, l'an l'ouvrit officiellement sous tout pays. Jeudi lundi 3 septembre, l'an. Président République l'an, Jovenel Moïse, première dame l'an, ministre éducation nationale. La formation professionnelle des missionnaires avec plusieurs autres personnalités participer dans la cérémonie lancement année académique l'an dans l'école nationale Célis Lilavoie avec l'école nationale République Brésil. Chef l'État avec première dame l'an, Martine Moïse, distribuer kit scolaire, ouvrage avec uniforme by élève non occasion. Messe action de grâce chantée dans plusieurs départements PIA en occasion rentrée l'école là. C'était occasion pour directeur départemental ministère éducation nationale yo parler sous ensemble mesi qui a adopté pour année scolaire 2018-2019 là. Sénat République l'an apparaît pour recevoir Premier ministre nommé à Jean-Henri Séan pour déclaration politique générale li non parlement. C'est président Sénat Joseph Lambert qui fait annonce l'an. Cérémonie l'enterrement ancien ministre santé haïtien an, Patricia Michael Amédée Gédéon chanté samedi 1er septembre an, dans l'église Saint-Pierre Pétionville. Plusieurs amis, anciens collègues défunts, t'es accompagné famille dans dernier hommage si là. L'actualité en l'autre bord de l'eau, ils ont dit fait éclater dans le musée national de Rio de Janeiro à hier dimanche 2 septembre, en bon, 7h30 à souhait. C'est 200 ans histoire, travail, ak recherche, pays Brésil qui disparaît dans dit fait ça. Amis téléspectateurs, n'a pas invité au rester branché, c'est Titiayo à compil l'autre information qui va le faire essentiel journal là pour à souhait. Et enfin encore, on a remercié et salué tout le monde qui branchait information yo sur télévision nationale d'Haïti. N'a souhaité nous un très bon mois de septembre à qui une très bonne semaine ensemble avec nous. N'a démarré information yo pour nous faire qu'on ait jamais nous deal dans grand titio. Année l'école 2018-2019 l'an l'ouvrit officiellement sous tout pays à lundi 3 septembre l'an. Dans l'occasion, le président République l'an, Jovenel Moïse, a plusieurs autres personnalités participé dans la cérémonie lancement scolaire, ouvrage avec uniforme by élève dans l'occasion ça. Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay a dit nous plus dans un reportage. Yon l'école inclusive pour une nation solidaire, c'est sous thème ça. Année l'école 2018-2019 l'a lancé, je n'ai pas adopté plus dispositions pour éviter dérapage et puis pour permettre bien plus l'ordre en dans le système. Nan. L'État aujourd'hui, respecté à la lettre, parole, maman, loi, constitution qui dit, si moun sorti première année, privé sixième année, pas de payer dans l'école. Déjà, contrairement à ça, me demandé. Donc, à 20 fiel, la banque déjà recevoir eh bien, l'argent 50% pour 750 000 timouns qui trouvent dans la première année, qui viennent dans la sixième année. Quant à moun qui dans le lycée, instruction déjà passée à tout directeur départemental, à tout concerné, à ça, quel que soit timoun qui dans le lycée, il paraît pour payer plus passer 1000 gouttes pour toute année. Et dans 1000 gouttes là, tout paraît là-dedans. Frais d'examen, dépliant toute la donne. Et nous lançons pinga à tout directeur lycée qui connaît ou pas respecter ça nous dit là. Et nous prêts pour nous révoquer tout le monde qui contraire à nos qui contraire à ça l'État dit. Et nous dites ça, je dis à tout. Nous-mêmes, l'équipe ça, nous prenons engagement après 5 ans de journée là pour tout nous aller, ça. Pour l'aller. Pour gagner dans le système éducatif haïtien, pour ne pas mettre dans la salle de classe par les lettres. Il n'y a pas de lettres, pour être capable d'agir sur ça. Parce que pour nous entendre dans la salle de classe, c'est l'État pour nous même, c'est l'État qui est autorité nominative. Mais je m'arrête de faire dans des autres là. Nous venons nous dalle dans la salle de classe. Je dis, nous traitons tout le temps. Seul quand nous va traiter, c'est une équipe qui nous rejoint des gens qui ont un système d'assaut avec faux papiers. Et dans ce sens, nous devons dans la chambre des députés,
dans le Sénat, le président du commissaire d'éducation là, il est capable de témoigner. Tout juge, commissaire, gouverneur recevra l'aide, il recevra non yo, adresse enseignant sa yo, qui prend l'état d'assaut. On a combattu la corruption à tous les niveaux. Président républicain Jovenel Moïse dit qu'il est important pour la société à gagner plus de monde qui a l'école. Chef l'État arrêté quoi? Terme l'école inclusive, une nation solidaire, hein? Tombé d'aplomb avec l'idée la prône pour le développement pays. C'est pas gouvernement seulement qui est inclusif, c'est société qui est inclusif, c'est pays en général. Une ville là qui est solidaire, qui pour faire que mon pays que nous réveillons. C'est pas pour aujourd'hui, si mon yo entre l'école, ça il fait sous un fond de solidarité. Solidarité entre tout haïtien et tout haïtien de tête ensemble. Parce que cette tête ensemble, nous sans lui même, nous ne pouvons rien que nous régler dans le pays. Avec du développement que nous rêvons, nous tous dans tout, nous supposons faire dans l'ordre de discipline. Si moun sa aujourd'hui, qui prend l'école là, c'est eux qui prennent le grand monde. Si nous avons besoin de meilleure société dans 25 ans, c'est aujourd'hui pour nous commencer à mettre les gens en cadre de manquer. Mais je dis tout, là nous prenons une décision pour nous entrer dans l'État sous concours. Si moun sa aujourd'hui, tout ça, vous prenez l'école aujourd'hui, pour l'heure, vous arrivez dans l'âge, côté où vous finissez l'école. Je fais université. Pour ne pas obliger son monde, pas pour gagner qui vous faire un job dans l'État. Pendant le lancement officiel, année l'école 2018-2019, là, dans l'école nationale Céline Lavoie avec l'école nationale République Brésil, coupe présidentielle là profiter, visiter quelques salles classes, distribuer kits scolaires, manuels et uniformes par élèves. Parmi en pile décision qui prend pour soulager les parents à rentrer l'école là, il y a plus de 100 000 uniformes. 220 000 kits et plus passé 1 500 000 ouvrages qui ont distribué par les gens qui sont défavorisés. Toujours dans ce qui est avec l'ouverture officielle classio sur tout territoire national, aujourd'hui lundi 3 septembre 2018, là. Et bien, il y a diverses activités qui faites pour marquer journée dans le département Grand'Anse. Parmi eux, il y a une messe Action de Grâce. Invitez-nous à suivre un compte rendu avec Ricardine Desanges et puis Richie Desgerville. C'est en présence de diverses autorités scolaires dans le département Grand'Anse, parmi eux, directeur départemental du ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, Joyanne Sodefin. Mais cette action grâce à c'est les meilleures façons pour l'ouvrir officiellement l'année académique 2018-2019 dans le département Grand'Anse. Célébrant principal, Monseigneur MacArthur Émile, rappelait la nécessité pour continuer les sacrifices qui fait de bon côté l'élève et professeur pour permettre une nouvelle année scolaire à réussir. Pendant les féliciter parents et responsables dans le département pour façon de contribuer pour la dernière académie 2017-2018 là qui ont réussi. Sans l'école, une société est foutue. Sans l'école, un pays disparaît purement et simplement. L'école fait voir l'avenir différemment. Celui qui va à l'école, père de l'air, je vous exhorte à prendre au sérieux vos études, car votre futur en dépend grandement. Si l'Esprit Saint reste le premier protagoniste de la formation, vous êtes cependant un acteur incontournable dans votre propre formation. Directeur départemental ministère éducation nationale avec formation professionnelle a encouragé les vieux pour le travail pendant les rappeler au engagement ministère apprend pour permettre si nous recevoir dans l'instruction en plus bonnes conditions pendant un travail pour améliorer qualité apprentissage là. Premier jour ça c'est bien réussi dans la mesure où attente nous combler mais ça a bien passé Timounio là yo prépare l'école moi tout part à pied d'œuvre donc l'ouverture est assurée. Attente nous c'est que l'école a fonctionné professeur yo directeur yo inspecteur, vous faites travail et chaque monde qui gagne classe ou bail temps d'apprentissage là augmenté bail ti moun yo ti sa vini pour yo ou yo même yo gagne espoir gagne un avenir meilleur même j'ai avec nous aujourd'hui en qui dirigeant. Il y a plusieurs centaines d'élèves professeurs et parents qui ont participé dans traditionnel messe action grâce qui déroulé dans la cathédrale Saint-Louis dans Ville-Jérémie.
Toujours pendant le jour 3 septembre, blanc, directeur départemental ministère éducation nationale à formation professionnelle, qui te gagne un cli, magistrat Ville Jérémyan, Claude Harry Milor, distribué plusieurs kits l'école, by plusieurs élèves dans l'école nationale Catherine Flon, avec l'école Frère Paulin. Distribution s'il a fait dans l'idée pour soutenir parents yo dans aider voyer timounyo al prend pain l'instruction d'après premier citoyen ville Jérémie. On suit. Là on parle ça on a dit les jeunes qui ont retourné l'école c'est bonne année scolaire parce que normalement nous connaissons sur les vacances journée jeudien faut reprendre l'activité yo. Donc nous connaissons bien pile parents qui sont fait en pile emergency pour dire que nous avons passé l'année dernière là sous ban l'école. Plus ça, on a profité de voir un signal clair par le gouvernement qui est capable de faire beaucoup plus d'efforts pour les qui mesurent dans les capacités pour les gens à l'école. En effet, la direction départementale qui va faire distribution kit scolaire. Et dans l'école Catherine Flon. Donc c'est grâce à tout le gouvernement. Mais nous-mêmes, nous avons demandé pour gagner beaucoup plus d'efforts qui fait. Toujours nous sommes qui gagnent avec page éducative Flon. Il y a une délégation ministère éducation nationale qui sortit Port-au-Prince qui était gagné dans tête li Emmanuel Bernard accompagné à directeur départemental ministère dans Nord Domius Zéphirin distribué kit scolaire par plusieurs élèves à parents en villa lundi 3 septembre. Activité s'il a déroulé dans salle auditorium lycée Philippe Guerrier. D'après responsable l'État son geste gouvernement pour montrer que question de Haïti solidaire là c'est un bagage important mais tout c'est pour aider ça pas capable ça qui gagne moins moyen yo joindre en façon de plus pour voir timoun yo l'école et aller ça nous connaît que question dure donc ministère là il font pile effort il mettait livre il bay uniforme il bay je dis à kit scolaire yo de telle sorte que pour encourager Timounio à retourner à l'école rapidement. Nous avons distribué kit scolaire en même temps que nous sommes motivés, les parents, les élèves et la collectivité sur ouverture et sur enjeu d'éducation, sur l'importance d'éducation en Haïti. Nous parlons d'une éducation inclusive comme ce thème. En Haïti solidaire, ça veut dire nous dit éducation, c'est tout qu'on la donne. Pas une éducation rabais pour les écoles privées. Un programme pour les écoles publiques, un autre programme pour les écoles privées, des professeurs de travail, les écoles publiques ne travaillent pas. Maintenant, nous disons que faut professeurs. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des revendications qui sont nobles, pour capable de satisfaire les revendications au fur et à mesure. Mais au même temps, faut que vous compreniez que les vieux pas perdre du coup, les gens ont perdu du coup l'année passée, pour capable au moins comprendre un jeu qui est dans l'éducation pour éviter éviter dessus, éviter trop écart au niveau de la société, éviter division, tout ça. Il faut que Timounio pas frustré pour que l'école privée travaille. L'école privée pas travaille. Ouais, nous demandons à ce que nous même capables, en tant que parents, en tant que professionnels. Maintenant, puisque l'État doit, l'État a payé, de bougon l'aide nomination dans mon l'État a payé arrière de salaire. Maintenant, il faut que embarquer pour que année ça nous passions une belle année scolaire. N'a profité rété dans le département ça ensemble avec porte-parole PNH Noah, inspecteur Anassé Dorival, qui parlait sur ensemble mesi la police adoptée pour faciliter une bonne rentrée scolaire pour élèves dans le département Noyo. Il parlait sous quelques stations qui déplaçaient à patrouille la police qui multipliait. Il y a un extrait. La police toujours prend des dispositions pour permettre que la sécurité ait été stable. Mais cependant, comme c'est un événement très particulier, donc il y a des mesures très particulières qui prennent, dans le souci pour nous, si nous pouvons permettre d'entrer des places là, les fait sans difficulté. Tel par exemple, il y a un gros camion qui est entré dans la ville là. Station côté bascule, yo, yo habitué à camper pour que vous permettre une circulation beaucoup plus fluide. Donc, de ce fait, nous intensifions encore patrouille de police parce que nous connaissons clairement la situation anti-déclassement, demander plus présence policière. C'est l'une des raisons qui fait sous passer sous la rue ou après nous avons plus police dans la rue que d'habitude. Donc, c'est des mesures que la police prend pour permettre que les élèves rentrent dans la classe sans problème. La police à elle seule pas qu'à garantir sécurité.
Donc c'est ensemble de monde, des partenaires que nous avons pour aider nous à comprendre bagaille. Chaque fois qu'une situation qui est anormale qui a passé dans la zone, ces populations pour relayer nous, parce que nous avons des numéros de téléphone que nous mettons à la disposition, pour relayer nous, et puis l'autre partenaire pour encourager, parce que la police n'est pas capable de garantir la sécurité lui-même. Donc nous demandons de continuer dans le même lancer, dans le même chemin qui permet que nous gagnions une situation qui calme Jean-Elie aujourd'hui. Et Jean nous connaît, la réouverture de l'école, c'est un point dominant actualité en Lacaïnou. Eh bien, si pour quelques l'école réouverture en prend timidement, pour quelques l'autre, c'est travail reconstruction qui t'a empêché l'école yo relouvrir potio. Stéphanie Charles avec Hervé Pierre à Bonne. Scolaire, uniforme avec valise, t'es distribué dans l'occasion. Quelques l'école, t'as coulissé Alexandre Pétion, l'ouvri potio, mais effectif là pas en pile, puisque premier semaine l'école, yo, c'est toujours comme ça, d'après directeur lycée. Je veux dire, c'est premier jour, en général, où on est que nous recevons, surtout nous-mêmes lycéens, donc moi-même, à la lycée Pétion en particulier, nous recevons couches qui peuvent défavoriser le pays. Donc, pour comprendre très bien, là où dit l'école à pouvoir, premier jour, l'école à pouvoir, en pile parents, c'est là, ça, y a essayé de garder à gauche, à droite, pour voir qui ça y a occasion. Ça veut dire, ils n'ont pas pensé vraiment directement avec l'école là, dans les premiers jours. Donc, c'est deuxième semaine, on va venir finir en grande quantité, mais, tant qu'on y a là, donc, si on y a là, mais ils n'ont pas venir l'école vraiment. Situation différente dans l'école nationale d'Aguesol Espinas. Volonté pour réouvrir porte l'école de là, mais travail reconstruction d'un bâtiment ça a empêché rentrer l'école la fête comme ça doit, d'après directrice l'école ça. La classe supérieure, ça m'a les classes supérieures là, c'est sixième, premier, la premier bâtiment. C'est eux-mêmes qui sont capables de bien qu'on a pour le temps. Parce que nous avons une petite classe tout, qui est trop près de bagaille, m'a appelé pour le tribunal victime. Deuxième bâtiment, si vous n'êtes pas capable de travailler là. À moins que si nous avons un cadre adéquat, nous avons un cadre là, parce que nous avons suffisamment de cours pour fonctionner. Mais cependant, les moyens nous manquent pour faire tout le bagage. Ceci dit, l'école a commencé aujourd'hui. Hein? Pour Anessa, autorité concernée a adopté plusieurs dispositions pour éviter des dérapages et puis pour permettre de plus l'ordre dans le système. T'as toujours été dans le sujet ça, fois ça, c'est ensemble avec président commission éducation dans chambre députée, à, qui est-elle Jean-Philippe, qui souhaitait, ministre éducation nationale, l'en prend toute disposition pour année scolaire, là, qui lançait officiellement lundi 3 septembre, passer sans difficulté. Parlementaire a encouragé ministère éducation nationale, la formation professionnelle, pour y rejoindre yon entente, organisation syndicale yo pour faciliter l'année scolaire l'en réussi. Il y a un extrait dans le micro Fédéral Confident avec Bernard Marcel. Parce que les parents ont le courage, parce que les parents ont investi en pile pour faire une formation petite. Yo. Moi, je souhaite tout le monde participer pour nous faire une bonne année scolaire. Côté ministère pour responsabilité, engagement de la bonne oué. Et les parents ont accompagné Timounio. Pour être capable de faire étudier les soins, les professeurs sont présents dans la salle de classe pour faire cours. Un message pour les enseignants, nous connaissons un métier difficile, je ne vais pas payer nous assez pour nous permettre ça. Même quand c'est son choix pour le pays. Et nous ne pouvons pas camper là parce que nous devons battre jusqu'à ce qu'il y ait importance à un métier ça qui est un métier difficile. Et sans professeur, le pays n'a pas avancé, pas qu'à développer. Il y a un pile de débat qui fait sur la question manuel scolaire. Comme dit nous jusqu'à présent, manuel, il y a un pile là de coco sous marché. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un problème qui existe entre maison des champs et ministère de l'éducation nationale. D'abord, maison des champs, il demande des fois que chèque là disponible avant de mettre les vieux sous marché. Et c'est comme ça chaque année, il compte fait d'après l'information monsieur Deschamps bail. Mais pour le ministère, si on l'aide d'engagement, Deschamps est capable de mettre les vieux sur le marché et puis t'as un chèque là après. Moi, je apprends que le ministère des Finances a travaillé sur ça, pour mettre comme la disponible rapide, pour que les vieux soient sur le marché très rapidement. On y en a profité fait qu'on a fondation Mario Brégard distribuée hier dimanche 2 septembre. Environ 2000 kits scolaires, by plusieurs timoun
Dans la zone métropolitaine, responsable fondation Mario Brégard expliquait l'initiative SILA, c'est pour accompagner parents dans le cadre de réouverture l'école là à Nissa. Un extrait dans le micro Sainte-Croix-Paki avec Hervé Pierre. Fondation Mario Brégard toujours travaille dans le domaine de l'éducation. Ce n'est pas pour la première fois que nous faisons. Et nous faisons chaque année. Donc, nous faisons tout le monde, nous faisons quoi des bouquets, nous faisons un peu partout. Donc, chaque année nous faisons, c'est pour nous corriger l'éducation. Hein. Nous connaissons l'éducation dans un pays, c'est base développement. Un pays sans éducation, pas de pays. Mais nous croyons que faut que nous remembrions le système éducatif là, et spécialement l'éducation à la citoyenneté, que nous engageons nous là-dedans tout. Parce que jeudi, nous allons commencer rentrer dans chaque école qui gagne. Le programme ça nous gagne 10 écoles qui inscrit la donne pour nous le faire, ça nous a relé et éducation à la citoyenneté. Moment arrivé pour nous prendre en bout, traiter branchés, amis téléspectateurs, n'a tout de suite. Merci parce qu'il nous a toujours été branché. Deuxième tranche, journal lent, a démarré avec commissaire gouvernement cap-haïtien, hein, maître Ferné Charles Saint-Just, qui fait qu'on ait une enquête déjà l'ouvrir pour qu'on ait dans quelles circonstances six mounes dans une même famille, dans une même caille, mourir pendant le week-end lent. Commissaire qui dit qu'il était présent sur le lieu de ramenant. Rappelez toutefois, c'est après enquête, il y a bien plus d'explications sur ça qui passait. On suit. Et faut pas gagner l'humain dans où vous arrivez sur scène de crime ça, nous pas tout dans zéro. Nous pas dans le village, dans le nord-est. Et il y a un substitut. Relez-nous pour nous dire que tout près Kaili, semble que les gens qui mourent dans la maison sont arrivés. Alors, pendant ce route-là, je relais la police judiciaire, je relais le juge de paix, je demande de rendre sur les lieux pour délimiter cette crime. Non, la grande que je suis arrivé. Bon, on prend une ville latine et l'appui. Et moi, c'est dans la zone Jean-Vincent, je suis arrivé. Ensemble avec la police judiciaire, le juge de paix, moi constaté dans la première chambre par derrière, vos petits garçons qui couchaient sous dos avec flim dans les lit, flim mélangé avec sang dans les lit et qui mourit. Moi traversé une chambre au milieu pour m'aller dans le salon côté de la télévision et les arrivé là, moi j'ai constaté qu'il y a encore 5 autres cadavres, 3 garçons avec 2 filles. Deux garçons avec trois filles donc, qui mourent en Dakaïla. Donc c'est ça que je devais en Dakaïla le mourir aux environs de midi, midi et demi. Vous m'avez continué? Bon, l'arrivée, ou pas expert dans le domaine, mais l'arrivée, il semblait c'est 6 personnes qui mourent par poison. Comment? Les vomissements à terre. Et tout le monde ça va vomir, tout le monde ça va mourir. Ensuite, il y a même symptômes pour chaque monde qui a dans le nez, dans la bouche, yo, flim mélangé avec sang. Donc il est capable de sembler tout le monde ça va te manger. Il y a même bagaille qui est empoisonné. Deuxième hypothèse qu'on est capable d'avancer, c'est en tant qu'elle a tout, c'est qu'on délire qui a marché. Qui a gagné un bon sang de gaz propane qui a dégagé. Maintenant, gaz propane, la police scientifique, avec la médecine légale pour être capable de déterminer la cause de ces salles. Et alors, nous remettions à grand-papa, papa et chef de foyer, nous remettons les messieurs Pierre-Louis, nous remettons les cadavres, nous sommes dans le monde privé dans la ville. Nous prenons mesure pour que les maisons de crime, ça, espèce n'a pas souillé. Et nous poser ces dessous-lits en attendant que la police scientifique avec la médecine légale nous arrive et nous fait des prélèvements. Quand les cas sont représentés, étant donné qu'ils sont ensemble de nous venus de Mourand Donkay, la police judiciaire qui est sous question, qui a mené enquête pour que
et si son monde qui commet crime ça yo nous capable la police capable mettre main sur lui la justice capable mettre main sur lui et pour capable répondre des actes posés. Donc pour le moment la police attend des monde la police judiciaire attend des monde alors nous pouvons pas faire des révélations mais au moment opportun n'a dit tout ça OK ça. Et bon ça passé hier matin là la qu'on y a même pensé la police judiciaire attend des monde. Donc c'est à partir des auditions mon ça yo bien dans mon attendre bien ça cap capriter bien ça cap ay la kayo mais pour le moment pas ca pour alors pour la bonne marche de l'enquête il y a une information pas ca bande et son caï qui habité par trois locataires au rez-de-chaussée il y a mon ça yo qui habite dans un parti et qui alors pas de forme dit mon ça yo pas gagne en pile temps depuis habité caï là mon voisin on fait nous connaît même nous pas connaît parce que c'est à peine nous gagne 3 mois dans caï là comme locataire il y a locataire qui à côté dans la zone droite et caï là et puis il y a locataire en lettre donc nous tout monde ça yo la police attendre pour que nous capable déterminer et qui cause de ces ça alors faut me dire nous les nous rivé dans caï là porte devant est fermé hermétiquement mais porte la cour qui a accès à Kaila, c'est nous qui l'ouvrir, il pas ouvrir, il pas fermer. Donc tout ça, la police a mené enquête là pour que si son monde qui. Alors si c'est intoxication, pas de problème, mais si c'est un monde qui est empoisonné, le monde qui est arrivé, il est capable de répondre à la question de la justice. Ça passe dans la zone Zo-Vincent, peu de temps avant d'arriver dans le monument. Et il y a un gaz, il y a un gaz. Alors bon, c'est bon, l'église là, c'est l'église pasteur Ecclésias Donatien, c'est à bout portant l'église là que tout ça a été connaît. L'autre point qui domine l'actualité, nous avons abordé ensemble avec le président Sénat République, Joseph Lambert, qui a annoncé Bureau Sénat pral écrit Premier ministre Nouméa, Jean-Henri Seyan, pour informer li Kavin fait déclaration politique générale li non palman. Sénateur Lambert dit rapport commission spéciale qui travaille sous dossier Jean-Henri Seyan disponible. D'après lui, Sénat Paris Premier ministre nommé en Poco a fait déclaration politique générale. Li. L'a dit nous plus dans le micro Bernard Marseille à Confident Fedner. Il est question que le Premier ministre a présenté et soumette à appréciation sénateur copie déclaration politique générale là 48 heures à l'avance. Jusqu'à présent, rien. Deuxièmement, il était impératif tout pour que nous assurions que le Premier ministre ainsi que le président de la République, là, de commun accord, mettez-vous d'accord déjà sur la formation cabinet ministériel. Ni moi-même, et moi-même comme président Sénat, et le président Garibaudeau, et le commun des mortels, dont nous-mêmes la presse, très certainement, nous capables de gagner une rumeur sur quelques monde. Femmes ou bien garçons qui étaient dans le cabinet ministériel là, mais nous pouvons même informer même de composition cabinet ministériel là. On a précisé que commission spéciale qui travaille sur le dossier Premier ministre là, ils sont prêts. Et ils sont prêts depuis semaine dernière. Et jeudi à même, à recevoir une lettre de commission qui va demander d'inviter le Premier ministre là, pour le venir même demain. Pour t'avenir, ou bien jeudi, parce que l'impératif pour que c'est 48 heures à l'avance, tout sénateur gagne un dossier ça, puis est capable d'approprier au delit, en façon pour que vous adressez des questions pertinentes au Premier ministre sur des éléments contenus dans sa déclaration de politique générale. N'a pas enchaîné ensemble avec député circonscription Kay Ilavachlan, Clovis Roba, qui dit li d'accord avec l'idée commission spéciale sous amendement constitution qui souhaitait diminuer quantité de députés et sénateurs qui trop lourd dans le budget national. Parlementaire à quoi? Il y a une démarche comme ça qui a aidé à plus de travail, infrastructure et développement qui fait en dans société. Député Robas dit qu'il est prêt pour voter en faveur d'une proposition comme ça si la commission est arrivée faite. Ensuite. Pour ta vine gagne un grand député pour chaque arrondissement, pour ta vine gagne un grand sénateur pour chaque département. Parce que sincèrement, moi-même en tant que député jodien,
moi réaliser vraiment que chaque grain député et par rapport à coût li coûter trésor public là qui sont coûts normal parce que pour un député fonctionner un ensemble de bagages qui doit à disposition pour fonctionner mais l'on prend quantité de députés au multiplier le pas et valeur bagages qui doit disponible pour un grain député li baille une quantité qui vient tout non poids lourd pour budget national là pour trésor public là et là n'a regardé niveau de pauvreté pays a gagné au lieu que nous t'aller dans sens que moi-même moi t'ai allé tout anciennement qui c'était goumé pour chaque commune d'avenir un député par exemple moi-même au prime abord après me t'a goumé en tant que député au cas qui la vache pour la vache vienne propre député parle mais dans niveau nous ouais pauvreté à lui-même la augmenter dans pays a niveau misère gain niveau des chances économiques pays a pour aller là nous estimer que si la vienne gon réduction sous nombre parlementaire tant à la chambre basse qu'à la chambre haute li t'a fait population du bien parce que là ou additionner eh bien et multiplier tout eh bien et qui ça qui doit être disponible pour un grand député fonctionner eh bien par nombre de députés gagné nombre de sénateurs qui gagnent tout ça fait en pile mal sur le plan économique à pays à par rapport à sa pays qu'a disposé en termes économiques. Kounye on a fait qu'on a mairie Carrefour dans tête collé à protection civile dans commune là remettre certificat by divers membres organisations de base qui étaient participé pendant un mois dans une formation sur gestion risque à désastre et puis informatique. Jude-Édouard Pierre expliquait mairie en prend initiative si là dans l'idée pour créer plus rapprochement avec organisation sociale cap évoluer nos communes Carrefour. Sainte-Croix Paqui avec Hervé Pierre pour un reportage. C'est dans l'idée pour renforcer l'organisation de base dans Carrefour, magistrat principal commune, Jude-Édouard Pierre, remet certificat par 80 représentants d'associations qui peuvent recevoir formation pendant un mois sous gestion risque avec désastre avec informatique bureautique. Magistrat Carrefour pour mettre militants organisation, il y a une formation à bien pour bénéficier dans ce sens. J'ai toujours gagné comme objectif pour renforcer l'organisation, une formation pour eux. Donc 4 ans après, nous commençons avec eux. Et nous sommes vraiment contents qu'il y ait autant de feedback positif sur la formation, sur la qualité intervenant, niveau professeur Roux, que nous remercions et saluer, mais tout sur l'implication, participation apprenant. Nous espérons de tout cœur que ça initie une nouvelle ère dans le rapprochement mairie avec l'organisation Carrefour pour nous donner des piliers dans le processus de réponse de gestion du civilisation en général. Dans tout pays et informatique, sur gestion des désastres, nous devons nous sur le leadership que nous allons faire, sur gestion de projet, nous allons faire formation sur état de droit et de socialisation, rôle organisation capable de jouer dans l'établissement de l'état de droit en Haïti et en particulier à Carrefour. Il y a plusieurs intervenants qui ont déjà confirmé avec nous à partir du mois d'octobre. Nous allons citer dans eux, mais c'est de grands noms. Et notre pays qui déjà entend avec nous, il y a qui va procéder à la formation sérieuse, qui va étaler, il s'en pose 12 mois. Formation sous gestion risque avec des astres à profit possibilité à membre organisation pour sensibiliser si la yo, qui vit dans son risque pendant la période de saison cyclonique, d'après le coordonnateur protection civile Carrefour. Nous avons organisé dans le collège de Coplage une formation sous gestion risque avec des astres pour ensemble de monde qui est organisation. Non, formation ça nous déroule avec tout ça qui a la notion de base en gestion des risques et des désastres. Nous avons gardé en pile tout sur ça qui a fait en termes de mitigation, de réparation, de réaction supposée gagner par rapport à tel ou tel événement. Donc c'est une formation de base que lié, nous entendons continuer, mais nous devons que d'abord minimum connaissance n'importe où supposé gagner dans le domaine de gestion des risques et des désastres, tout le monde va bien. Représentant association ça y fait connaître formation ça y prend à petit yo pendant yo remercier mairie Carrefour qui te prend initiative ça nous féliciter Gessa que magistrat que fait pour organisation de base n'a souhaité que gouvernement n'y pas arrêter loin de
magistrat pour l'accompagner, li pour commune nan ka avancer toujours pour ne pas quitter l'organisation de base là pendant que fin prend ti formation ça, mais pour toujours accompagner nous dans tout ça nan fait et que pour commune nan ka continuer à avancer au niveau pas seulement ban nous quitte, même penser que formation ça li ti l'organisation en pile et que nous même nous capable faire suivi avec l'autre membre. Formation était vraiment intéressant, nous t'ai apprendre en pile bagaille que nous pas connait davantage déjà, et nous remercier professeur à tout guide ça qui t'ai accompagné nous, qui t'ai à toute cœur, qui t'ai travaillé avec nous et t'ai permettre nous passer un bon moment côté nous t'apprendre en pile bagaille. Maïssa Kafoua, Jude Edouard Pierre annoncé avant longtemps la bien pour organiser un forum à tout élu dans l'idée pour poser problème commun à faire face dans toute l'île. Et puis, nous retournons dans la page éducative qui a mené nous dans le département NIP, côté élèves qui reprennent chemin à l'école lundi 3 septembre en tout. Dans l'occasion, l'autorité dans le département SILA a organisé un ensemble d'activités pour lancer l'année scolaire. Là. Divers établissements publics donc pour privés, c'est l'ouvrir portio pour recevoir Timounio. Esaïe Aurélus avec Moïse Wilbridge te fait déplacement et en compte rendu. Donc pour divers autres départements, activités scolaires reprennent dans le département NIP. Pour journée reprise ça, semestre Saint-Esprit à cérémonie officielle pour lancer l'année académique là, qui puisse marquer journée. Nous ensemble activités qui permettent autorités politiques et éducatives dans le département communiquer avec élèves et professeurs ensemble conseil nouvelle année et puis témoigner solidarité. Dans l'occasion, directeur départemental éducation Niplan, Oudel Joseph, renouvelé engagement direction de l'AB dirigé pour travail pour réussir l'année scolaire. Chers élèves, chers jeunes, vous représentez l'avenir du pays. Nous qui sommes ici, nous étions jeunes comme vous. C'est vous qui allez nous remplacer demain. Vous devez donc vous adonner à vos études, sinon la vie vous sera difficile. Nous avons de la peine aujourd'hui à constater des hommes et des femmes de notre génération qui vivent difficilement la vie. Depuis toujours, dans la société, il existe des gens qui gagnent leur vie décemment, tandis que d'autres ne le sont pas. C'est maintenant, pendant que vous avez l'élan juvénile caractérisé par la force et l'énergie, que vous devez en profiter pour vous préparer. La réussite appartient à ceux qui se sont sacrifiés pour se former. Délégué Miklan, vivant l'abbé dans l'occasion, rappelé j'ai fois administration Moïse là pour accompagner les parents. Dans souci pour année l'école là bien passé. C'était l'occasion tout pour distribuer kit scolaire by élèves différents l'école département. Dans le passage du président de la République, à travers sa campagne, il a toujours prononcé que les jeunes représentent l'avenir du pays. Pour que ce pays soit sur le chemin de développement, il faut que vous soyez formés. Cette année, le président Jovenel Moïse, en l'absence du gouvernement, a fait pas mal d'efforts pour accompagner vos parents et plus vous, les enfants. Il a donné pas mal de moyens. Il a fait beaucoup pour que vous soyez en classe. Il y a un bon moment. Nous remercions l'autorité pour le matériel qui va soulager les parents. Nous sommes vraiment fiers. Je dis merci. Nous comptons parce que nous venons de nous. Parce que les parents qui n'ont pas de possibilité de nous aller. Nous comptons parce que nous venons de nous aller. Je dis Jovenel Moïse, merci. Tout le monde. Directeur départemental là, je dis merci. Je dis les dirigeants, merci. Il se passe 4 millions de monde retournés dans la classe pour l'année académique 2018-2019 là. Il y a l'année académique qui commence le 3 septembre et qui a dû arriver dans le boucle 28 juin 2019. On a profité de rester sous même lancé ça avec délégué départemental de la Tibonite, Herbie Dalencourt, qui distribuait kit scolaire par élève l'école dans Gonaïve lundi 3 septembre dans l'occasion rentrée des classes. Là. Distribution s'il a réalisé dans l'école nationale Pont Godin.
L'information en page religieuse là, on a fait qu'on a un nouveau président de l'église, Jean-Leslie Dorcelli, prend investiture dimanche 2 septembre comme bishop. Plusieurs délégations nationales et internationales ont fait déplacement pour participer dans la cérémonie. Sila. Midra Emilias et Rémi Gojit sont sous place et un reportage. C'est en présence représentant l'église méthodiste qui sortit dans divers pays dans les Caraïbes. Acte dans l'Amérique, la cérémonie installation ça a été déroulée. Même là, il a rencontré en pile difficulté dans l'exercice de fonction de l'idée. Révérend Gessler Paul souhaite un nouveau bishop là, Jean-Leslie Dorcelli, succès dans la mission ça. Pendant le promet, tout accompagnement nécessaire. Moi, je m'ai quitté avec un sentiment de fierté parce que je n'ai pas gagné 9 ans qui était facile du tout. Mais en mettant tout ça qui est arrivé, ça que bon Dieu était là. Et le permettre d'accomplir, sans me battre même penser que humainement, je suis accompli et je fais pour gagner. Et c'est pour ça que je dis bon Dieu merci et je remercie le peuple méthodiste qui t'a mis là. Et il y a un grand témoignage que vous rendez après la conférence qui a été faite en janvier, c'est que vous avez vivre avec présence 9 années de paix. Nouveau président de l'église méthodiste d'Haïti, révérend Jean-Leslie Dorcelli, haïtien. Nouveau bishop l'a rappelé tout, principale mission c'est évangéliser tout le pays, apprendre chaque haïtien vivre dans l'unité. Évangélisation pour que le pays soit capable d'évangéliser, pour que nous soyons capables de connaître que nous sommes frères, nous sommes sœurs, malgré l'indifférence, et malgré les problèmes qui sont capables d'exister. Mais comment nous sommes capables de bailler la main dans tout un peuple pour nous marcher main dans la main. Nous voulons l'église régénérée, ça veut dire qu'on dit que yon apprend soin de l'autre. C'est tout prêtre, tout évêque, ben, c'est tout chef de mission qui va venir des pasteurs pour le peuple, des pasteurs à différents niveaux. Révérend Jean-Leslie Dorcelli, fête dans la ville Pétionville, 31 janvier 1965. Il fait études classiques dans le collège Francillon Gantier Pétionville, études universitaires dans la faculté d'ethnologie. Il est marié en 1999. Pasteur Dorcelli, c'est papa, 4 petits. Moment arrivé pour nous prendre l'autre pause dans le journal ça. Amis téléspectateurs, pas déplacés, nous retournons tout de suite. Dernier tranche, un journal ça a démarré sur une note triste pour nous faire connaître cérémonie funéraille ancien ministre santé à Patricia Michael Amédée Gédéon, chanté samedi 1er septembre dans l'église Saint-Pierre dans Pétionville. Plusieurs amis et anciens collègues défunts et accompagnés familles dans le dernier hommage sila. N'a pas appelé Dr. Patricia Michael Amédée Gédéon, mouri 22 août passé après un accident routier sur route nationale numéro 2A. Fallon Delphin et André Chéry pour un reportage. Dr. Patricia Michael Amédée Gédéon, diplômé de la faculté de médecine dans l'année 1975. En 1982, il voyageait aux États-Unis, il fait l'année maîtrise dans l'université Harvard. Après 2 années dans le ministère de la Santé publique, il était président de la Croix-Rouge haïtienne pendant 12 années, sorti février 2001, le septembre 2013. Pour rendre dernier hommage à défunt, autorités politiques, santé, étudiants, professeurs, même Croix-Rouge haïtienne ont fait déplacement. Proche décrit Dr. Patricia Amédée Gédéon comme une personnalité qui est sensible en pile. Ça a quitté pour le travail pendant tout passager sous terre dans le domaine de la santé. Docteur Patricia Michael Amédée Gédéon a eu un grade docteur honoris causa dans l'année 2015. Il a travaillé sur un projet pour mettre une cellule d'urgence dans chaque centre hospitalier dans le pays. La Télévision nationale d'Haïti a souhaité toute famille, amis, anciens collègues, parents défunts, a souhaité aux condoléances. Et puis, nous avons jambé rapidement dans l'actualité en sous-plan international pour nous faire connaître Jean Tédil dans Grand Titio. Gagnons dit fait qui est éclaté dans le musée national de Rio de Janeiro, hier dimanche 2 septembre, bon, 7h30, dans Assouet. C'est 200 ans l'histoire.
travail et recherche pays Brésil qui disparaît dans le fait ça, qui pas fait aucune victime, d'après président brésilien Michel Temer, qui dit que c'est un jour tragique pour pays Brésil. Musée Rio de Janeiro l'ouvrit dans l'année 1818 sous règne roi Jean VI. L'été gain plus passé 20 millions de pièces qui chargeaient à valet. Toujours dans l'actualité, l'autre Bodlo, 7e édition Sommet Chine-Afrique, 3 septembre en Pékin, côté une cinquantaine de délégations à participer. Un forum qui gagne pour objectif encourager échange entre Chine et Afrique. Ensuite. Sur Swaziland qui s'est allié Taïwan, après ça, représentant tout pays continent africain, yo, présent dans le 7e forum Chine-Afrique. Là. Bon. Il passe 600 entreprises dans l'idée pour profiter de l'opportunité de relation ça. En plus, le chef président pays Gabon, Ali Bongo, fait qu'on est la Chine joue un rôle important dans le continent africain. China is playing a very constructive role. La Chine a joué un rôle très positif sur le continent africain en aidant le continent à se développer. Pas seulement en tant qu'un pays qui veut prendre des ressources, mais en véritable partenaire. Chaque année, la Chine investit plusieurs milliards de dollars en Afrique. Dans le parc industriel ou bien infrastructure, la Chine connaît le premier partenaire et le premier bailleur fonds, continent africain, dans l'espace, dans l'année. Année l'école 2018-2019, l'an ouvrit officiellement sur tout pays en l'indique Brésil. Chef l'État à première dame l'an, Martine Moïse, distribué en alio, palais sous ensemble mesi qui a adopté pour année scolaire 2018-2019 là. Sénat République l'an apparaît pour recevoir Premier ministre nommé à Jean-Henri Séan pour déclaration politique générale li non palement. C'est président Sénat Joseph Lambert qui fait annonce l'an. Cérémonie l'enterrement ancien ministre santé haïtien en Patricia Michael Amédée Gédéon, chanté samedi 1er septembre dans l'église Saint-Pierre dans Pétionville. Plusieurs amis, anciens collègues défunts et accompagnés familles dans dernier hommage Silla. Merci tout le monde qui était ensemble avec nous pour première édition journal pour moi ça, pour semaine ça à tout. Notre présentation, c'était Linella Sandra André. Nous remercions toute l'équipe qui était mobilisée pour te révérendre possible. Et puis nous souhaitons nous toutes une très bonne fin de soirée. Sur TH. Au revoir.